McFly Carlito, il est dans la box. Il est dans la box, il est dans la box, il est dans. Tirez, 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 il est dans. Et c'est. Non, père Patoche, c'est qui? C'est Carlito. C'est Carlito. J'ai une fois tété pour goûter. Tour, mesdames et messieurs, pour le premier Master Kill de la saison avec nos invités. Il y a actuellement Carlito sur l'écran, mais regardez sur ma gauche, il est en train d'en faire à l'infini, il est inarrêtable. Oh, on a le retour. Bonsoir tout le monde, bonsoir. J'ai la voix la plus aiguë. C'est incroyable ce qui se passe toujours. McFly et Carlito nous ont fait l'honneur d'être nos premiers invités pour cette saison. Vous êtes les parrains de cette saison et on va essayer de réveiller le gamer pro qui est en vous. En tant que gros joueur Fortnite, c'est normal qu'on soit parrain de cette saison. Bien sûr. Du tout. Mais je veux m'adresser à la communauté. Déjà, à toute la communauté. Déjà, t'arrives très tôt, il y a une annonce très tôt. Je veux que ce soit très rapide, okay, que ce soit dit. On va se donner à fond. Écoutez-moi, si j'arrive à faire un kill, c'est le bout du monde. Moi, je pense que dans tous les cas, c'est pas comme ça que tu vas les avoir. Yes. Pour parler au chat, je pense qu'il faut que tu dises c'est que t'as un compte en banque bien rempli et qu'au pire, si t'es nul, bah tu vas payer. Non, alors dis pas ça, alors dis pas ça. Déjà, Doig, si tu connais pas, faut pas lui faire confiance. Tout ce qu'il te dira, fait l'inverse. D'accord, okay, okay. Et de deux, en vrai, je te jure qu'on va tous être nuls, je pense. Mais lui, c'est incroyable. Mais je te jure. C'est vraiment le mec qui dit j'ai raté mon contrôle. 17 sur 20. Arrête de faire ça. Ça fait un mois que j'ai pas joué au moins. Oh, le petit loulou, t'as pas joué depuis un mois. C'est le grand retour de Gotaga ce soir. Oui. Oui. Non mais j'avoue qu'il se met sur la même échelle que McFly Carlito, il abuse un peu. C'est pas une échelle nous par contre. Par rapport au temps de jeu. C'est sous terre. Non parce que vous avez des enfants et une carrière. Voilà, voilà, exactement. Alors moi j'ai une phrase vraiment de cinquantenaire, mais j'adore les jeux vidéo. Non mais vraiment. Arrête. J'ai une grosse collection de rétro gaming. McFly, no way. Impossible. No way. Demande-moi combien de jeux vidéo j'ai joué dans ma vie. Vas-y, combien? Deux. Lesquels? Mafia, le jeu sur PC, c'était en 2001. Les mecs, ils ont 12 ans. Ça vous parle. C'est impossible. Comment ça s'appelait la Game Gear? Game Gear, ah oui. Sonic. Okay. Sonic alors. Sonic sur Game Gear, ouais. Et toi, ça a été quoi? D'accord, donc même les Mario Kart, etc., à part du coup dans vos émissions. Alors, pour pas perdre trop d'argent, j'ai appris. Attends, t'as dit dans vos émissions? Ouais. Bah ouais. Enfin, moi j'appelle ça des émissions. C'est incroyable. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais on ne dit pas ça. Vidéo. C'est que les cinquantenaires qui disent ça ou quoi? Et toi, Carlito, du coup, c'est quoi tes jeux sur lesquels on va dire t'as passé plus de temps? Écoute, mon loulou, RPG à balle. Okay, Final Fantasy. Je sais pas s'il y a des anciens sur le chat, manifestez-vous, ça me ferait plaisir. Final Fantasy 7, bien sûr, que j'ai refait sur PS Vita, figure-toi. Et donc j'ai hâte de voir le remake. Qui sort là bientôt. Je vois des fois, on se fait des tweets, on s'échange des tweets et il y a des petites références Final Fantasy. C'est quoi que t'appelles les anciens du coup? Parce les anciens, vrai, plus de 30 ans, c'est-à-dire anciens, je te dis des jeux, Alundra, Dragon Quest, Medieval. Dragon Quest, ça me parle, tu vois, reste, non. Legacy of Kain, Soul River. Oh putain, bah, oui. On va lancer, on va y aller. Ouais. Il y a sur le chat, il y en a un qui dit Baldur's Gate. Ouh. C'est ça, frérot. C'est ça. Même le 2, attends, je suis pas si vieux, j'ai connu le 2, c'est ça, mon frère, bien sûr. Non, mais du coup, voilà, on va est là ce soir pour du Fortnite, un Master Kill. Vous connaissez de toute façon, j'imagine, un peu les règles. Hein. Vous pas oui, mais la... redis-les par sécu. Ils font ça pour l'émission, ils savent très bien qu'il y a une vidéo qui est préparée pour eux parce qu'en vrai, ils ont déjà tout analysé. Voici les règles de Master Kill, mais attention, il y a une petite nouveauté, non. On vous l'explique juste après. Non. Pour gagner dans Master Kill, il suffit d'avoir plus de points que les autres joueurs. Pour marquer des points, c'est simple. Chaque kill et chaque réanimation rapporte un point, en sachant qu'un multiplicateur peut être ajouté en début de la game. Celle-ci est validée à partir du moment où la squad cumule un minimum de 5 kills. Le but, gagner la partie ou ne pas finir dernier. Le perdant est le joueur avec le moins de points à la fin de la partie. Que se passe-t-il quand quelqu'un perd? Les points des 3 autres participants se cumulent et se transforment en euros, que le perdant devra payer à un viewer tiré au hasard. Par contre, s'il y a top 1, personne ne paye et les viewers ne gagnent rien. Pour tenter d'être tiré au sort, il vous faudra voter dans un temps imparti en début de game et bien miser sur la personne que vous voyez perdre. Le Master Kill peut également être joué en duo. Les règles restent les mêmes. Le duo gagnant sera celui qui a le plus de kills à la fin de la partie. Bref, travail d'équipe, ou Kuba, amitié, ou fourberie, chacun sa méthode. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui vont passer à la caisse ce soir. Sur ce, bon Master Kill à tous. Ce comportement, honnêtement, je commence un peu à discerner vos personnalités. Il y a McFly, alors je sais pas si c'est pour son compte en banque ou quoi, mais il a écouté tout de A à Z. Ça m'a mis la pression. Bah, j'ai l'impression parce que t'étais vraiment dans le truc, quoi. Et d'un autre côté, t'as Carlito en mode, c'est qui la voix de ouais, voilà. Mais si, c'est la voix de Spider-Man, ouais, je vois. Ah, c'est ça. Et je sens qu'il a rien, il a rien écouté. Non, rien. Attends, je regardais Gotha. Ouais, c'est ça, je te voyais rien. Toi, tu vas payer cher ce soir, hein, Carlito. Putain. On s'excuse d'avance. Est-ce que vous voulez savoir la petite nouveauté du Master Kill pour cette saison? Je désire le savoir, Dwagby. Mesdames et messieurs, la nouveauté, ça paraît tout préparé, mais pas du tout. Vous, le chat, en direct, au début de chaque game, vous allez avoir la possibilité de donner une immunité à l'un d'entre nous. C'est vous qui décidez le chat. La personne qui est immunisée, même si elle est dernière, elle n'est pas comptabilisée. Du coup, c'est la personne avant lui qui le paye. C'est horrible. Le chat, écoutez-moi le chat. T'as une maison en basse Normandie. Max. Je vous invite tous en basse Normandie. Le 18 octobre. Ils sont 70 000. Hein. Bon, je vous invite en deux fois. En deux soirées différentes. 35 et 35. Venez, s'il vous plaît. Choisissez, ça sera celui qui a le plus de votes.
qui sera immunisé. Chers amis du chat. 30 secondes chacun. 30 secondes 30 chacun. Ok, okay. Ah putain, on dirait The Voice. Bah comment, tiens, je préfère ça. Ah ouais, d'accord, c'est moi. Je le mets dans la poche. Le chat, écoutez-moi bien. Ici, vous avez quelqu'un qui est un battant qui aime le challenge. Qui a repassé son bac? S, pas elle. S. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime se mettre la barre haute. Ce soir, la barre, je la mets encore plus haute. J'ai deux enfants qui ne dorment pas. J'ai une vie très chargée. Je vais encore plus loin aujourd'hui. Je vais pour vous essayer de faire des kills, me donner à 100% si vous me soutenez. C'est cool. J'ai envie de voter pour lui. Moi aussi. T'inquiète pas, j'ai pas encore parlé. Caline-toi, toi, parce que comme ça, t'as un peu de temps. Il reste une 30. Allez, merci. Il a pris du temps, l'enfoiré. Chers amis, c'est un ex-gamer qui vous parle. Le cerveau du duo, mais ça, c'est une information. Vous savez ce que vous voulez. Est-ce que c'est pas un bonheur un peu sadique, je l'accorde, de voir morfler McFly? Si vous suivez nos vidéos, la souffrance de McFly, le bonheur que c'est de le voir taper, de le voir s'ouvrir en live et de perdre son argent. Faisons ça. Mettez-moi en immunisé, il perdra forcément. Et qu'est-ce qu'on va rire ensemble. L'important, c'est de rire, pas vrai? Tu es en train de promouvoir le harcèlement. Sympa, ça, Carlito. Si vous n'êtes pas pour le harcèlement et que les gens faibles, vous voulez les soutenir, c'est le moment de changer d'attitude, de changer le monde. Ne faites pas comme les milliers de générations qui nous ont précédés. Je vous achète un yacht à chacun. Merde. Une réponse. En vrai, c'est qu'entre vous, une réponse. McFly, il a nous niqué avec son yacht. Pas faire alors, mieux que ça. Alors les gars, moi, il reste 40 secondes. Alors c'est vrai que ça fait un bon mois. Calimu Carlito. Les gars, pas gratté l'immu. Ah bon, hey, les gars, si je suis immunisé, je rejoue à Fortnite. Promis. Non, mais arrête. La promesse est énorme. Ça va s'arrêter sur la cam du mec immunisé. Regardez, celui sur qui ça s'arrête, ça va s'afficher. Qui est immunisé, mesdames et messieurs? C'est vous qui avez décidé sur le chat. Ça va être la première game du Master Kill. Après la... putain, non, 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 non. Ah? 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 Non, pas Gotha, s'il vous plaît, pas Gotha. Ah, je suis plus dedans du tout. Ah non! Merci la famille! Les gars, vous savez même pas! Vous savez même pas! Je vais tout donner! Oh mon dieu! Je vous donnerai tout jusqu'à la fin de mes jours! McFly est immunisé pour la première game, peu importe son score, il ne pourra pas perdre! Pardon, Dwabi, on parlera de ce pseudo plus tard. Oh non, vous venez d'immuniser un mec qui a son casque à l'envers, c'est bon pour vous? C'est vrai! C'est vrai! Putain, les gars! Non, par contre, mais c'est ça que les gens aiment! Non, mais mets-le à l'endroit parce que les sons, tu vas les entendre. Alors, comment... toi, tu vas devoir tout nous expliquer parce que là, la map, mais moi, je la connais pas. Eh les gars, je sais pas. Ok, go, go, go. Vous avez sauté. Ah bah d'accord, et vous allez où? Vers le bas. Merde, oh, non, oh mon dieu. J'ai ouvert le parachute. On rappelle, c'est la game de chauffe, hein, les amis. Donc, vous inquiétez pas, elle compte pas. Il y a du monde, hein, faites gaffe à vous. Oh la vache, il y a du monde, les gars, qu'est-ce que c'est que ça? On va où, les gars? Mais normalement, il y a personne qui vient ici. Comment on tire? Clic gauche. Ok, j'ai. Comment maintenant on fait pour construire? Construire. Courir, en vrai, on va te mettre la course auto à la prochaine game, ce sera beaucoup plus simple. Ah ouais, ouais. Moi, course auto aussi, s'il te plaît. Vas-y, promis. On est dans la même équipe, on est comment? Ça dépend tes touches. On est des copains jusqu'au moment où t'as plus de kills que moi. Tu vois les touches à droite. Je me suis fait tuer parce que j'étais en construction. J'arrive. Non. T'es pas tout seul, je peux quand même te récupérer. Mais non, là je peux pas, c'est terminé là. Non, non, parce que maintenant il y a la plaque pour être réanimé et tout, tu vas voir. Je ne sais plus ne pas construire. Je ne sais plus ne pas construire. R pour déconstruire. Essaye, non, ça marche pas. Gotha. Écoutez, je suis désolé. Il y a le meilleur joueur qui ne me dit pas comment faire. J'ai même pas eu le temps de rien faire. Tu m'entends? Le moment où tu fais regarde-moi, je peux pas construire. Il y en a pour combien de temps là de jouer? Est-ce que j'ai le temps d'aller me prendre un plateau repas? Bon, oui. Je vous laisse deux secondes, chercher de la bouffe. Je vous ramène des trucs. Les gars, vous ne m'aidez pas. Comment? Donnez-moi une arme. T'es où? Tiens, suis-moi. Gotha, occupe-toi de Carlito. Mais j'essaie. Je pourrais pas gérer les deux. Tiens, appuie sur un des boutons à gauche. Y'a quelqu'un qui te tire dessus? Non. Mais arrête, gauche, me tire pas dessus. Je sais pas, c'est quoi le bouton là qui est affiché à côté de ta pioche? Les gars, 4. C'est sur la souris. Appuie. Mais y'a vraiment quelqu'un? Appuie sur... Mais les gars, sur le chat, je vous jure. J'arrive pas à m'arrêter de rire. Je suis mort du coup, j'étais déçu. Mais les gars, Doc, va chercher ma plaque s'il te plaît. Ouais, mais non, mais attends. Mais non, mais y'a des armes. Ok, ok. Là. Oh, le coup de passe de casson. 3 personnes. Mais je c'est pas fini. Mais quoi, tu l'as pas pris? Oh non. Qui? Tu les, ils sont seuls, ils rampent, Mais putain. Oh bah si, ils nous ramènent des petits... C'est affligeant. Qu'est-ce qu'on a là? Oh mais, ah oh oui, ok, il y a plein... Oh ouais, c'est petits... affligeant pour les gens. Les gars, moi j'ai fait une roquette 3 kills. Enfin, alors... Je sais pas ce que c'est ça, mais... Bien, ah la vache, je suis mort si tôt. Bon, prenez un peu de la bouffe, là, ça va vous mettre bien. Je pense qu'on peut recommencer la game, non? On peut en faire une de chauffe. On peut aller jusqu'à combien en chauffe? Ça va finir en full game de chauffe. Soirée game de chauffe, on est parti. D'ailleurs, cette game là, on en a pas parlé, mais c'est quoi? C'est allez, on dit là, pas, les gars. Là, mais d'accord, mais c'est quoi? C'est du foin? Fois 1 pour commencer, ça veut dire que 1 kill okay. est Est-ce égal que à 1 on euro. On part aussi sur un bonus pour McFly et Carlito. C'est-à-dire que par exemple, moi je dois faire 3 kills et eux ça vaut 1 kill. Oh non, 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 non. Oui, 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 oui,
Et dites-vous que les réanimations comptent aussi comme un kill. Vraie question, je voulais en parler avec vous parce que justement, j'avais vu que vous avez fait le live là pour annoncer le bac. Ouais. Là, tu parles du live, je te vois déjà prendre tes petits réflexes avec le chat. Oh là là, je kiffe. En vrai, c'est un truc qui vous intéresse, qui vous fait kiffer ou... Écoute, on a commencé par le live vu qu'on a fait 6 ans de radio, notamment McFly qui a fait une matinale et tout. Bref, c'était la vie. On adore ça, le live, et on compte bien le reprendre. Ouais. Sous une forme innovante, on veut toujours qu'il y ait un effort, tu vois. Ouais, on va pas faire de Fortnite, tu vois, on va pas se foutre de la gueule des gens. Il faut qu'ils kiffent quand ils nous voient, et on a une idée, et on va le faire, et ce pour sera cette année. Pour cette année. Oh là là, mais déjà une exclu. Et quand est-ce qu'on saute par contre? Maintenant. Je te laisse juste finir. Maintenant c'est la guerre. C'est la guerre, là, c'est la guerre. Un euro par kill et réanimation, mesdames et messieurs. Ça commence doucement. À chaque game, on double le multiplicateur. Et sur les 2-3 dernières games, on laissera Lee, McFly, Carlito choisiront les multiplicateurs. Autant vous dire que normalement ça va partir en cacahuète. Gota, tu peux me protéger un peu au début ou pas? Je vais. Est-ce que tu peux me carry? Le problème, c'est que Gota, il a pas confiance en lui-même. Donc... Ah, mais arrêtez, c'est fou. C'est fou de pas avoir confiance en soi. Oh, je suis plus rapide que le French Monster. Pourquoi il y a un mec qui danse devant moi? Edward B. Vraiment? Tu le, c'est de l'argent. Mais tu le comment? Avec quoi? Voilà. Bah avec ta pioche. Merci, ah ouais. Merci. J'ai un problème chiant, les gars, j'ai un problème chiant. Problème chiant? J'arrive pas à changer de vue. Ah mais c'est toi que j'ai protégé. C'est qui là? C'est qui ce gars? Le poisson. Oh, merci. Y a le poisson. C'est toi que j'ai protégé. Je t'ai protégé. Hein. Ah ouais? J'ai tué un mec. Ça tire déjà, putain, ça tire, j'ai rien. Oh, je suis désolé, mais l'équipe va pas aller loin. Putain, les gars, c'est fou ce que j'ai. Panique pas, McFly. Y a du monde, hein, ça tire. Ouais, ouais. Y a un mec qui se fait réanimer. Ok, one down. Et une pression, je vous jure, dans mon cœur, ça bat très très terrible. Fort. La et pourtant, il s'est rien passé du tout. Eh les gars, dites-vous juste un truc, si on fait top 1, c'est incroyable pour tout le monde. Top 1, c'est un peu, c'est frérot. Bien sûr, bien sûr, c'est des objectifs comme ça qu'il faut tuer. Ouais, d'accord. Normalement, lui, il était tout seul. Ouais, il est mort instant, Gota. Comment on sait où ils sont les méchants? Voilà, il y en a plus. Normalement, il y en a plus. En vrai, j'ai limite envie qu'on joue ensemble, main dans la main, pour aller faire le top 1, quoi. Là, il faut. Mais ça, c'est une belle idée aussi. Bah ouais. Va falloir qu'on bouge pour la zone, par contre. Par contre, je vous ai pas dit, mais depuis la nouvelle saison, c'est 5 secondes dans la zone et tu meurs. Ah oui, d'accord. Il y a plus ce côté. Ah non, c'est 5 secondes. Et regarde comme elle est derrière toi. 5 secondes, hein. Mais t'es mort en fait, McFly là. Ah ouais. Mais non, mais McFly, je t'ai dit, quand Dwight te dit un truc, quand Dwight te dit un truc, mais il te fait des trolls, il te troll en permanence. Bah regarde, bah on va compter. 1. Arrête. 2. Oh non, pas mourir comme ça après. 3. Bah lâche le clavier, gros. C'est fini. Non, là t'es en train de mytho. Mais putain, je vois que je descends bien là. Ah, le Dwight Boss, il est en train d'essayer oui, de me le faire à l'envers, le Dwight Boss. Tu sais quoi, le karma te le rendra. Malheureusement, tu verras. Je tiens à m'excuser parce que je souhaite être immunisé plus tard. Quand je pense que je t'ai amené tout à l'heure un plateau avec de la bouffe et c'est comme ça que tu remercies. Est-ce que tu l'as pas amené pour toi-même? Je l'ai amené totalement pour moi. McFly, t'es au courant que t'as fait un kill ou pas? Non, c'est mort ça. Bah, arrête, un kill, gros. Arrête tes bêtises, mais regarde là. On aurait crié, arrête. Mais arrête, il a un kill. Arrête tes bêtises. C'était pas une blague. Mais non, c'est pas vrai. Il a vraiment un kill. Il a vraiment un kill. Mais arrêtez, mais pourquoi? Il a un kill. Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi il a un kill? Je sais pas. Je me suis battu avec un mec à la pioche tout à l'heure. Tu crois que ça a du sens? McFly, viens, derrière toi. Est-ce qu'il se fout de ma gueule? Viens, viens, fais score pour ta vie. Là, faut que tu viennes ici pour ta vie. Non, voilà. Non, mais les gars, va. Mais non, regarde ta vie, regarde ta vie. Bah, non, mais du coup, il va être parano sur tout. Non, mais arrêtez, les gars, c'est horrible. Ah ouais, stylé. Ah non, mais moi, dites-vous, je suis très bien du groupe, les gars. Moi je si suis là pour votre aide. 5 kills. Gota change son nom YouTube. Oui, c'était pas le vôtre normalement. Non, ah ouais, non, mais regarde, voilà ce qu'on fait. Si on arrive à faire 5 ou 10 kills, on va dire 10 kills en tout, tu changes le nom de ta chaîne en McFly et Carlito. Et avec une faute à McFly et avec une faute à Carlito. Pendant au moins 24 heures. Ça me va en vrai, il y a plus de gens qui vont sub du coup. Merde, putain, c'est con, c'est vrai. Ouais. Si je peux le garder pendant un mois, genre même s'il te plaît. McFly, Carlito, chaîne secondaire. Venez, si vous rentrez dans le site là, il y a plus de construction. Ah la zone, la zone. Moi j'ai un pad, suivez-moi, j'ai un pad. Mais non, je te suis pas, Gota. Mais j'ai un pad. C'est une vraie histoire. Je suis Gota. Est-ce que quelqu'un a insulté une maman en secret là? Ah non, je tombe, je me fais mal. J'ai une vraie histoire, vraiment. Mais moi je t'écoute, j'écoute ton histoire, vas-y. Mais mec, t'es un troller numéro number one. Alors là, pourquoi vous criez comme ça d'un coup? Je suis rentré dans Tilted, je peux plus construire sur la vie de ma mère que j'ai pas fait exprès, ça commence déjà, t'es c'est la merde. Gota, s'il te plaît, viens me réagir. Je te jure, j'ai un pad, Gota, je le paye, je te le donne, je te donne mes armes, je te donne tout, je te donne ma vie. Je suis parti. Oh, j'ai un sniper. C'est bien ou c'est pas bien? Oh, le karma. Est-ce que je peux faire? Mais oui, t'as raison, ça voilà. Du coup, c'est ta faute. Du coup, c'est ta faute, putain, c'est vrai. Mais le karma, tu peux rien faire. Mais c'est vrai, mais c'est incroyable comme c'est lié. Gota, j'ai peur, non, j'ai peur. Les gars, c'est horrible ce qui se passe. T'as la carte en haut à droite, tu la flèche blanche. Ce qui m'arrive là, tu le très blanc. Il s'arrête dans combien de temps ce nuage aussi, wesh? Très loin. Tu vois, ça c'est la pollution. Et Gota, tu nous as pas prévenu, c'est sale. Si, je vous l'ai dit, suivez-moi. Mais non, mais il faut le redire. Non, mais on va pas mourir, on va pas mourir comme ça, c'est horrible pour les gens. Les gars, il faut le dire plusieurs fois. Non, c'est pas cool, c'est pas cool. Il me dit une fois, suivez-moi, j'ai déjà oublié. Non, j'ai dit pas mal de fois. Gota, est-ce qu'on va mourir là? Il y a de grandes chances. Non, mais arrête. Non, bah, je suis désolé, je vais pas vous mentir. Attendez, regardez, pour l'un d'entre vous, les gars, je lâche un kit. Là, c'est un kit juste ici. Toi, Carlito, tu peux peut-être t'en sortir. Si tu prends le kit, tu survis forcément. Oh, il y a un kit pour deux. Il a été récupéré par McFly en direct. C'est Carlito qui a été abandonné. Carlito, comment j'utilise? J'utilise maintenant. Oui. Stop, ne touche à rien. Oh, non, mais j'ai aucune envie de mourir comme ça. Ah, t'es mort, je t'ai fait tirer dessus, y'a des mecs derrière. Mais non, t'as pas de chance. Au moment du kit. Ouais, t'as pas de chance. What the fuck?
putain. Mais non, mais c'est horrible. Je suis désolé. C'est la pire partie pour les gens. Bah, attends, mais attends, pause. Comment il savait qu'on était là? Regardez mon personnage qui galère. Attends, tu peux venir encore ou pas? Gotha réanime McFly, non? Bah, j'ai envie, mais. Attends, j'esquive! Il y a de grandes chances qu'ils vous attendaient là, qu'ils étaient au courant, quoi. Si Gotha fait top 1, je lâche pas 1€. Ouais. Non, c'est gratuit. Game est offerte. Carlito, c'est ton moment, trouve les mots qu'il faut. Tu sais, tu génères ce truc qui est à la fois une alliance entre ta douceur, ton calme. Ouais. Et on sent une grande puissance qui est très impressionnante. C'est comme si tu pratiquais le passif agressif. Sauf que cette notion d'agressivité, c'est un jacuzzi, c'est un hammam avec Gotha. C'est vrai. Tu vois, j'ai envie que tu me racontes une petite histoire. Ils sont à deux sur lui. Attends, parce que là, il y a des gens. Il a envie le fight alors que Gotha. Attends, grosse difficulté! Alors qu'il se fait trop! Mais non, mais voilà! Ah, par contre, le Dread Monster myope, ça veut tout. Mais c'est même pas ça, c'est son installation en fait! Veuillez accueillir l'Hyper Metrop Monster! En vrai, c'est que 5 balles, il y avait que 5 kills. Il y a 5 kills? Oh, les gars, les amis et les filles, bien sûr, immunité Carlito là. Oui. Ah oui, dans un prêt, attends, doucement. Mais oui, préparez-vous. Je vois qu'il y en a qui suit l'émission. Et en même temps, il y a un mec qui pioche des gars. C'est, voilà, il faut peut-être encourager les nouveaux talents. Ils sont convaincus, les gens. Ils ont non, mais après, pour information, Gotha et moi aussi, on peut avoir l'immunité, il n'y a pas que vous. Non, hein. Yeah, but it's not funny, man. Je vois pas pourquoi vous auriez l'immunité. Vous avez déjà l'immunité, vous savez jouer. C'est vrai que c'est comme ça. C'est vrai que. Si vous mettez Imu McFly, je vous donne l'adresse postale de Carlito. Voilà, je dis juste ça devient personnel. Non, ne vous faites pas avoir, c'est du flan, c'est du vent. Ils ont tous compris, c'est Gotha Carlito, vous savez quoi? N'écoutez personne, non mais attendez pas qu'on vous donne des ordres. McFly n'est pas votre prof, suivez votre instinct. Pour l'ému Carlito, pour vous convaincre, on a fait une belle OP là. Tu sais, une belle OP, c'est très bien. Ça démarre très mal là. Donc je pense que t'as des sous là sur ton compte. Ah oui, comme toi, exactement, on est payé pareil, ah oui. 50-50. Donc, Non, en vrai, ça marche vraiment comme ça entre vous ou pas? Vraiment, totalement. Okay. On split en deux tout, sauf un truc sur lequel il m'a un peu reculé. Mais voilà, il y a quand même un sujet quoi. Tu l'as mal pris, je t'ai mis à l'aise, il faut me dire. Ouais, mais il y a pas de problème. Non, vas-y, vraiment, vous avez voulu jouer à ça. Vraie anecdote d'une embrouille qui est entre fort. Vous deux. Non, il mais un vrai truc, s'il vous plaît. Aucune embrouille. Tellement... Non, non, pas une embrouille, mais un sujet qui était un peu. Allez, moi, je veux savoir. Je vais vous dire, on bosse ensemble depuis 15 ans. On se voit tous les jours. Ça fait 15 ans qu'on a fait plusieurs trucs, des boîtes de prod. Donc, c'est pour ça, forcément, il y a des moments, pas des conflits. Évidemment qu'il y a des. Non, mais au niveau de l'argent, si c'est ça le sujet, on a toujours divisé en deux. Non, c'est pas forcément l'argent. Mais c'est quoi raconte ça, on veut savoir. Mais c'est le trolleur étant trollé. Non. Écoute-moi bien, j'ai donné la version des faits. Chers amis aussi, j'espère vraiment que vous passez une bonne soirée. McFly et moi, ça fait des années qu'on bosse ensemble. On a commencé par la radio, on a fondé notre boîte. Ok, personne nous aidait, c'était la galère. Depuis, et même jusqu'à maintenant, il y a un an où ça marche bien pour nous, tant mieux. On partage tout à 50%, sauf la fois où je l'ai douillé. Non mais attendez, regardez, on est en train de tirer l'immunité là. On est en train de tirer l'immunité. Qui va avoir l'immunité après Carlito? Ah, moi ça va, moi. Qui l'a souhaité absolument parce que McFly a eu sur la première game. Qui avez-vous décidé d'immuniser le chat? C'est vous. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Sauf que ça change. Oui. Non, il a gagné. C'est normal. Carlito. Bravo. Merci. On reste du coup sur juste x2. On va bien. Fois ok. x2. Est-ce que mettez-vous prêts? Bonne chance à vous. Sauf Carlito, du coup, on a pas besoin. Moi, par contre, c'est de l'autre côté qu'on va. Quoi? C'est de l'autre côté qu'on va. Ouais. Là. Les gars, regardez ce qu'il fait avec votre immunité. Non. Putain, j'arrive dans un endroit où il y a 15 000 personnes, c'est cool ou pas pour moi? Non. T'es parti où toi aussi? Ah ouais, mais en fait, chacun est dans son coin quoi. Non, mais moi je veux être avec toi, pourquoi, les copains. Pourquoi toi qu'on allait ici? Je sais pas, Carlito m'a énervé et je voulais une ville qui le punisse. Donc la voix. Oh, j'ai pas d'armes, vas-y, je suis foutu. Hein. Doc, j'ai besoin d'aide. Bah, j'ai pas d'armes, frérot. Sorry, je vais me barrer de. Putain, Gotha qui demande de l'aide quoi. Comment on fait pour sauter sur le pont? J'ai pas d'armes non plus. Yes, bah, je suis mort. Oh non. Oh non, il y a un mec qui me tire dessus. Mais ouais, mais on s'est séparés, c'est la pire ouais, idée ça. Ouais, c'est horrible, ouais, les ouais, gars. Bah, c'est clair, c'est au clair fond du beau jeu. Et vous êtes où, les gars? Saint-Pierre Patoche, là-bas, je te vois. Oh, je veux renommer cette chaîne comme Saint-Pierre ça. Saint-Pierre Patoche, c'est fou. Saint-Pierre Patoche, c'est vraiment un des meilleurs. Mais du coup, c'était quoi le deal par rapport à ça? Je sais pas si on avait fini. Y'a pas une histoire de dig deal? Non, jamais, on s'est sur jamais moi, ils sont tous low, Dwight, ils sont tous low. Si, on arrive, j'ai pas d'armes, je suis désolé. Ah, vous êtes tous morts? Bah, c'est moi qui vais tout niquer, regardez bien. Il ranime ses potes en plus, c'est le seul. Je vais revenir quand t'as essayé de prendre la plaque, mais. Je vais me choper une petite arme et je vais tous vous sauver, vous allez voir. Comment je la loom ça? Ah oui, Y'a pas d'armes. Par contre, faut que tu récupères les petites potions derrière toi. Y'a quelqu'un derrière toi? Oh merde, putain de sa mère! J'arrive. Il est parti, il est là! Ah, tu vas aller tout seul? J'arrive. C'est-à-dire que là on est en squat. Mais s'ils arrivent sur toi, t'es mort, je te dis. Là, s'ils arrivent sur moi, je suis mort. À la vache. Mais imagine, j'arrive. Oh, je l'ai tué à la grenade! Mais c'est pas vrai! Je te jure. J'arrive, je peux arriver. Mais non, t'as 0 kill. Ouais, mais il est juste pour réussir. Là, je peux pas réussir. Là, t'as plus que 20 secondes pour me Attends, si tu prends la plaque, si tu prends sa plaque, Carlito va pouvoir le soigner.
Il y a plus que 15 secondes. Essaye de le faire. Si arrive, c'est un jeu. Je pense que ça va être très compliqué. D'accord, ok, merci. Non, non, mais sa plaque, elle est juste devant le feu de camp. Au feu de camp. Je la ramasse, c'est Carlito qui va ramasser. 8 secondes, yes, merci. Combien, dis 6, 5. Non, après, il y a un petit temps. Vite, va prendre, là. Combien, les gars? Là, ça va, 1, il reste une seconde. Oh, je l'ai. Oh, bien, moi, je suis un génie. Ok, va ranimer, va ranimer. Let's go. Vous parlez tous en même temps. Va ranimer. Il y a quelqu'un qui a dit ils ne savent pas jouer, mais ils savent animer. Écoutez-moi bien, il restait une, même pas sur la seconde. Magnifique. Là, faut que Carlito il aille sur un bus et il te ranime. Ça, c'est un troll. Ça, c'est un troll. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Ah bah vas-y pas. Non. Oh, non, c'est des zombies. Et quoi, les zombies? Tu t'en fous. Tu veux pas les. Et ça, ah, c'est qui là? Ça, c'est des vrais joueurs, mais te bats pas contre eux, barre-toi. Mais pourquoi? Mais je veux les tuer, moi. Ils vont t'exploser en fait. Mais donc quoi, je me cache? Bah tu pars. Ah, mais y'a toute une team, frère, ici. C'est terrible ce qui se passe, c'est Dwag. Demain. Il est magnifique. Est-ce que je suis trop loin pour tuer? Il est magnifique, Dwag. Il te reste plus. Gotha, est-ce que je suis trop loin pour tuer cette personne là-bas? Bah tu vas pas le one shot quoi, donc s'il se retourne et qu'il vient à 4 sur 3. Bah, regarde après, bien. Attends. On y va, regardez bien. Attends, regardez bien. C'est beau ce qui se passe. C'est beau ce qui se passe. On y va avec amour, on y va c'est avec beau. Énergie. Regardez-moi ça. Oh, il y va, il est passé devant. Oh, il a eu. Ah, oh, non, il a pris le dernier. Ah, ça me shoot. Il en a eu un. Il y a quelqu'un qui me shoot. Il y a quelqu'un qui me shoot. Ça m'excite de ouf, j'ai envie que ça dure jusqu'à 1h du matin. Mais regardez bon mon écran, polo. Ouais, c'est fou hein. Lui au sol, l'autre derrière au sol, j'en mets 3 au sol. Ça va être game validé, on va être 6€. J'ai hâte de donner 6€. Non, il avait 3. Je crois qu'on est à 4 et qu'en vrai il y a 8€. Pourquoi c'est McFly qui paye, pas toi? Bah c'est vrai. Mais parce qu'en fait dans ma tête j'avais 2 kills depuis tout à l'heure, excuse-moi. Mais du coup c'est égalité là. Pourquoi c'est égalité? Parce que t'as 0, j'ai 0. Ah oui, quand il y a 2 fois 0, on fait comment? On partage les. Normalement c'est. Regarde. Oh my god. Allez, c'est parti. Oh la tâche. Allez, c'est toi qui choisis, mais. C'est 1v1 en 1 point. Moi je sais déjà ce que tu vas faire. Moi aussi, ça tombe. En fait, je sais que tu vas faire Pierre. Moi tu vas faire ciseaux, donc c'est bon. Je sais, mais du coup, vu que je sais que tu vas faire Pierre. Moi je vais faire Pierre. En fait, même si je l'ai dit, tu vas quand même le faire. Ouais, exactement, ça marche. On paraît que tu fais Pierre? Pas de problème. Carlito, tu penses qu'il va faire quoi toi qui le non mais gros, il y a 8€, joue putain. Ok, t'es prêt? Pierre, feuille, ciseaux. Oh, c'est 8€ gros, c'est 8€. Ouais, bah 8€ plus 8€. Eh, non, eh, franchement, il avait le seum. Là, il s'en fout de l'argent, là, t'as juste le seum. Là, t'as juste le seum. Il reste 20 secondes pour l'immunité. Est-ce que vous avez un truc à dire? L'immunité, ouais, bien sûr, ce que j'ai à dire, c'est que. Souscrivez un abonnement déjà. Voilà. Qui a récupéré l'immunité? On fait tourner les caméras. Après, faites tourner le chat. McFly en a eu une, Carlito en a eu une. Vas-y. Allez, faites tourner. Faites tourner. Faites tourner. Non, pas comme ça. Non, j'y crois pas. Non, vraiment. Merci les gars. C'est bien. Merci les gars, merci. On la joue ensemble, ah non, et moi je suis immunisé, moi je m'en bats les couilles. Non, s'il te plaît. Je suis immunisé, il faut en profiter. Karine, s'il te plaît. Comment bah, je vais aller de mon il côté. Te parle à cœur ouvert, Gotha. Et qu'il m'attend, mais pause. C'est pas où je fais ça. Là, les streamers qui vont faire, du coup, ils vont vouloir venir sur moi pour me tuer. Du coup, vous serez tranquille. Traduction de Kaito sur ce qui vient d'être dit. Le Japon est un état insulaire. Exactement. Non, en vrai, Gotha, s'il te plaît, joue avec nous. Aide-nous, t'es immunisé. Je joue même avec les lunettes. En plus, il y a une vraie correction en plus. Ah oui, une vraie correction. C'est pas la tête pendant 2 semaines. On le dit pas à l'oral comme ça, les streamers ne pourront pas venir. Ah, je vais avoir du mal. Mais regardez sur mon écran. Ouais. Venez, on va là. Comment en fait, toi, tu vois le point violet que personne ne voit à part toi. Ah oui, je le vois. Moi, il y a marqué même le nombre de mètres. Et on va là. Donc là, on va tous les quatre au même endroit. Personne n'est au courant. On va au point violet. Ouais, si t'arrives sur le point violet. Oh, monsieur, déjà en train de faire preuve de malice. Attention. Il y a des gens qui courent. Il y a des gens qui courent partout. J'entends des gens qui courent. Est-ce que vous avez vu La Vie scolaire? Il paraît qu'il est trop bien. C'est quoi, c'est un film? Ah bah yes, super. Pas vu. Ouais. Non, je te jure. Tu sais, encore malade, mais d'y dire, ils avaient fait patient. Putain, y'a quelqu'un là. Ah ouais. Non. T'es pas tout seul. Non, j'ai essayé de le tuer, j'ai pas réussi. Dedans, je suis là mon pote. Vas-y, je suis là frère, je suis là, je vais me cacher derrière un petit mur. Ouais. Vas-y, je me mets derrière le mur, tout va bien. Planque-toi. Je suis planqué, je peux pas être plus planqué. Si t'es là, il n'y a pas de sens, si je suis pas là. Je suis par terre, c'est t'es moi là. T'es incroyable, ne bouge plus, t'es parfait comme ça. Oh, ça c'est beau ce qui se passe. Et moi, je vais aller du côté de Carlito. Putain, ouais, s'il te plaît, viens m'aider. Non, mets plus de bandages, pas. Ah ouais, mais t'en as. Ils sont où tes bandages? Il est au top, mais j'ai tout mis, oui, d'accord. Il est mort. Tu l'as vu? Me mets tous les bandages. Et tiens, il y a un super pompe de la mort qui tue. Ah ouais, pour de vrai? Ouais, là. Oh, merci. Non, c'est bon taf. Sachez un truc, c'est que ça me fait plaisir de rejouer à Fortnite. C'est vrai? Ah, c'est vrai. Attends, par contre, ça commence vraiment à me faire mal à la tête, ça va vite, hein. Sérieux? La vieillesse, jure, la vieillesse de me taire. Y'a un méchant, McFly. Où ça? Là où t'es mort, t'es là. Attendez, viens, on y va ensemble. Viens, on fait une action d'équipe. Attendez, je veux venir vous aider, moi. Il est où? Contacte-moi, ici, McFly. Ouais, je te vois, Dwagby. Il a pris 50, il est à toi, je te laisse, il est là. Allez, McFly, il est là. Non, ça c'est moi, McFly, pas d'effort. J'étais d'aller rejoindre plus vite. Avance, va le chercher. Vas-y, McFly. Il est où? Je te fais un escalier, monte sur l'escalier, saute. Vas-y, passe. À droite, derrière. En face de toi, là, en face de toi. Là, il est là. McFly,
Aïe, pas d'effort, il est là. Il est où? Mais à quoi, mais putain, mais t'es quoi le joueur? Il est où? Là, t'as droit, t'as là. J'y vais. Mais c'est bizarre, bien. Je veux tuer quelqu'un. Mais il a... Il est là! Il est où? Mais regardez! Il est où? Je vous le dis, il est là! Il est là! Il est où là? Il est parti! Là! Il est où là? Ça veut rien dire, toi, depuis là! Mais non, mais il fait un mytho, il y a son père! Mais je te jure! Regarde mon écran! Il est là! Ça veut dire quoi là? Il est là, les gars, il est là! Je le pique! Je le pique! Non, regarde! Si, j'ai vu un gars! Il est là! Mais il est là! Je vais le prendre! Il est là! Non, le tue pas, le tue pas! Il est là! Il est là! Mais il est où? Là où je te ping, là où il y a la flèche rouge, ça s'en vient. Gota, comment je fais pour sortir? Ah, c'est bon. Mais attends, viens l'enferme. Attends, il veut me tuer, il me suit. Venez vers moi, il me suit. C'est où? Je veux faire un kill. Allez, on va le ken. On y va. C'est McFly Calito, il est dans la box. Il est dans la box. Tirez, il est dans. Mais c'est. C'est un père patoche, c'est qui? C'est Calito. C'est Calito. Bien joué, regarde. Ça, c'est un travail d'équipe. Par contre, McFly, t'as pas fait l'effort. Regarde, d'être 4 sur un gars. J'étais fier. Comme de mon premier but. Ouais. Par contre, j'aurais trop aimé être dans la tête de McFly pendant toute l'action. Genre, t'étais... Genre, il était à un pas de toi. Et à chaque fois, tu regardais au mauvais côté. C'est ma spécialité. C'est ma spécialité, mec. Mais je comprends tellement l'excitation de ce jeu. Mais même si tu veux faire exprès, tu n'y arriverais pas. Je suis tombé. Mais qui? Carito. Carito. Comment je fais? Mais c'est trop chiant, je déteste quand ça fait ça. Voilà, bah, tout le monde va clamser, c'est super. Gota, t'as le temps, fais pas le trait. Gota, t'as le temps, je suis là. Ouais. Hey, Gota, Dwapie. Oh si, tu peux t'en sortir. Ah quoi? What? Pourquoi dans l'autre game on a shooté des gens, c'était génial, et là pourquoi on marche juste? Là on fait que on a pris le temps au début, on a pris tout le temps avant de partir de la zone. Dans combien de temps elle s'arrête la tempête, les gars? Oh mon dieu. Dans combien de temps elle s'arrête la tempête? T'as encore 30 secondes comme ça facile. Franchement, déjà s'il s'en sort de la zone, c'est déjà incroyable. Putain, dans combien de temps, les gars? Dans combien de temps? Dans combien de temps il s'arrête? Il te reste 20 secondes, mais là, tu mets les. 20 secondes! Mets un bandage. Ouais, mais t'es obligé de bouger. Mets-en même deux. Ouais. T'es obligé. Encore, et après, tu te remets à courir. Ok, prépare-toi. Une seconde. Feu! Fonce! Oh là là. Putain, y'a plein. Ah, je peux prendre le violet là? Prends ma plaque. Ouais. C'est laquelle? C'est le truc qui a marqué 61 secondes. C'est où? Devant toi? Encore? Non, t'arrives pas! Et bandage maintenant! Clic! Bandage! Y'a quelqu'un qui a écrit okay. Meurs McFly pour l'amour de Dieu! Ils en peuvent plus! C'est là! Ouais, ne glisse pas, ne meurs pas, frère, ne meurs 11, pas! 11, 9, 8, 7, 5! Oui. Y'a un mec derrière toi! Y'a un mec derrière toi! Prends ton arme! Mets-toi! Le monstre! Bien joué, gros! Tu sais que McFly, grâce à ça, tu payes plus, c'est toi qui payes maintenant. Avec plaisir, franchement. Les gars, ma partie, ça a été courir. Est-ce que tu veux qu'on lance un petit sujet là, le temps qu'on reprenne un peu nos esprits? Ouais, j'adore les sujets. Là, on va passer normalement en x3, c'est-à-dire qu'un kill est égal à 3€, mais on peut déjà peut-être passer en x5. C'est vous qui choisissez en fait, nous! Mais x10! Non, mais mec, il est 10h, il est 11h, il est. Je sais plus lire l'heure! Il était fou! Toutes les heures sont passées! J'avoue que ouais, il est quand même tard parce qu'on a beaucoup parlé. Vas-y, x10. Ah ouais, j'avoue, x10 direct, bien sûr. En plus, je commence à être fatigué. Sachez que nous, nos horaires vraiment, enfin moi, je dors en général de 22h10 à 6h50. Ah oui, c'est vrai. Donc là, si tu veux, là pour moi, c'est vraiment une phase. Ah oui, là t'es en nocturne là. Mais c'est bien, sur en after. Je voulais qu'on revienne un peu sur ce que vous avez fait là récemment. Déjà, vous avez dépassé les 5 millions. C'est ouf. Ça, c'est ouf, merci. J'ai vu la petite vidéo et tout, Parc Astérix a été. Comment ça s'est fait ça d'ailleurs? Comment vous avez ce genre d'idée? Comment ça se passe niveau créatif entre vous? Trop de questions d'un coup. Il a enchaîné. C'est quoi la première? On dirait un burger de la mort. J'ai une idée. Pour les 5 millions, vous voulez marquer le coup, évidemment. Très très fort. Il met McFly. Carlito. Même oh ça, là. Les gars, il est tard. Je crois qu'on s'est mis d'accord. Le chat, vous avez compris. On voulait marquer le coup, on voulait offrir des cadeaux. On avait vraiment envie de faire ça pour les 5 millions. Et on avait plusieurs idées. C'est envie de rendre aux abonnés un peu, quoi. Ouais, un peu, okay. Tu vois, ce truc-là de se dire on a envie de rendre. On savait pas sous quelle forme. Comment on arrive à le privatiser? Ouais. On s'est dit, bah, imagine une journée paradisiaque pour les gens, tu vois, pour le rendre. Ouf. Ouais, mais c'est quoi, c'est 6 mois de discussion par mail ou... Non, voilà. Il n'y a pas de discussion. Ah, nous, non. Le parc Astérix, ils ont pas discuté. Ah, ouais, eux, ça a été genre, ils nous ont suivi direct dans l'idée. C'est lourd. Normalement, c'est des discussions pour toute l'année. Ah, ouais,
non, le parc, ils ont direct. Été, ils ont assuré, c'est un truc de malade. Ils ont dit oui, on trouvera une solution, oui. Mais en fait, ils vous ont fait passer genre en début de journée et après, ils ont ouvert au grand public. Rien du tout, toute la journée, c'était fermé. C'était une journée fermée parce que le parc avait pas réouvert officiellement. En fait, ils ont ouvert les portes une journée ou deux avant la réouverture du parc. Voilà. Vous êtes des rois, quoi. Vous êtes des rois de France. C'est incroyable. Mais ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont fait venir tout le monde, les techniciens et tout. Il y avait le parc entier qui aurait été rempli de techniciens parce qu'il y a du monde pour bosser, tu vois, sur le parc. Et donc, ça, du coup, vous aviez accès aux attractions et tout. Tout de ouf. Bon, attendez, et qui en IMU là? Bah voilà. Ah bah c'est parti, ça roule. La roulette de l'IMU. Moi, tu n'es pas streamer Ouais, bien sûr. J'ai l'impression que t'as fait ça toute ta vie. Oh, bah voilà. Je vous aime. On dirait que c'est bien foutu. Non, quand mais même. C'est scripté de manière à. Oui, c'est scripté. Alors, c'est scripté. Quand c'est moi, c'est scripté. Quand c'est vous, c'est genre. Bah, c'est bizarre que le chat tête. On va ici. Ah, il y a un bateau. Non, c'est joli. Mais tout le monde va sur le bateau. Je mais pourquoi tu. Pourquoi mais tu sais. Oh là, mais là, t'as fait la pire erreur. Il y a qu'un seul bateau sur la carte. Il peut pas savoir. Ah, voilà, il y aura plus que deux équipes. Mais non, lui explique. Il est pas bête. En gros, on cache l'écran pour pas que les mecs viennent. J'ai tout compris quand je l'ai dit. En fait, t'as compris juste après l'avoir dit. Bah, du coup, n'allez pas sur le bateau. Allez, les gars. Du Master Kill, ça rigole pas, bienvenue au Master Kill de Gotaga. La question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que j'ai une seule arme? La réponse est non. Non, mais quand vous faites votre compte pour moi, c'est bon, j'ai des armes, j'ai des armes. Les gars, on est plus du tout ensemble pour information. Ah oui, Pierre Patoche. Car j'ai trop peur. Pourquoi vous êtes toujours sur le bateau? Je suis en train de partir, moi je rejoins. Mais là, on est dans la zone, on est safe. Pour une fois, on n'aura pas besoin de courir partout pour rejoindre. Attends, j'ai une boisson. Enfoiré. Y'a quelqu'un qui va me tirer! Doig! Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Yeah! Sauvez-moi les. Non, non, non! Bah, eux ils sont pas là par hasard, hein! Sauvez-moi! Eux ils sont pas là par hasard, bonne chance! Contacte-moi, okay. Gotha, contacte-moi! Je suis mort, les gars! Y'en a qui a pris très très cher là, qui en bull fight! Ah, mais je suis mort, je sais pas ce qui. Je suis bloqué avec les armes et tout! T'es pas tout seul, McFly, t'es pas tout seul! Gotha, t'es mal! Ah, je suis mort. Ah merde, putain! Ils sont arrivés contact à moi, j'en avais même pas conscience. Ah la bâtard, non! Viens me sauver, Doig! Non, mais je t'utilise, je t'utilise comme un pas, c'est un but! C'est un but! Mais vous, c'était un piège! Ma carte de rétablissement! One down! Je lui ai tiré dessus quand même! Je lui ai tiré dessus, attends, elle nous a niqué! Ouais. Mais tu vois, par exemple, eux ils sont pas venus par hasard. Ah, ouais, c'est sûr. Non, mais vraiment, genre, tu comprends ce que c'est un streamhacker? C'est ça. Genre, ils savent où on est, ils s'organisent, ils viennent d'un coup et t'as pas le temps de réfléchir. C'est toi avec ton bateau là aussi, mec! Pardon. Attends, mais du coup, personne a fait kill? Les gars, c'est la partie la plus affligeante. Bah, du coup, on relance du coup. Ouais, allez. Mais viens, on en refait une. C'est mieux quand ça va plus vite comme ça. Y'a une grosse décision qui n'est pas prise là sur là où on va. Vas-y, on va là. Point violet. Là, c'est quoi là? Le point violet. Tu vois plus en violet, maintenant t'es habitué. Ça y est, je gère. Là-bas? Ouais. On est encore une fois confus pour les moments de gaming qui sont assez affligeants, mais on passe un beau moment, faut le dire. What the fuck? Pourquoi ça tire? Ah ouais, putain, ils sont partout. Protégez-moi. Ils sont partout, les gars. Laisse-moi une arme, Dogbeast, si tu montes. Oh, what the fuck? J'étais à la pioche contre un mec, il a pris une arme, faites gaffe. C'est la merde. Gotha. Ah, je peux prendre une arme vers Gotha? Y'en a plus. Ok, ciao. Y'a un mec qui loot. Oh, y'a un mec ici dans ma maison aussi. Y'a un mec dans la maison. J'ai pas d'arme moi. Tiens, je t'ai mis une arme. Merci. Tu veux pas me donner ton pompe et je te défends? C'est des pages de quoi ça déjà? C'est mon seul flingue. Ok, bah alors défends-moi toi. Ok, bah là non, alors je préfère te donner. Rentre dans la maison, vas-y, je te fais confiance. Non, il est là. Il est là. Ah là, bâtard, il est en train de me ken. Ouais, fais gaffe. Oh, c'est bon, j'ai un pompe. Par contre, vous reniez ensemble. Il est où? Il est dans le sous-sol. Il y a quelqu'un sous-sol. Qui tire dessus. Ah putain, mais j'en ai marre. Non. Putain, c'est trop dur, Gotha. Il est où, putain? Il est là dans le sous-sol. Ah oui, mais il y a un mec dans le dos. Ah mais il y a trop de gens. Oh la vache. Hey, vous pouvez me ranimer? Ranimez-moi, les gars, s'il vous plaît. J'arrive. S'il te plaît, j'en ai marre de mourir. Ici. 46, frère. McFly. Oh fuck, c'est mort. Il est là. Et dans cette. Non, mais attends, il pense qu'il est là. Ah oui, il est là. Vas-y, fonce. Moi, j'y vais d'abord. Vas-y, passe devant. Il est en train de construire. Non, c'est moi, passe devant. Ouais, passe devant, d'accord, ok, carrément. Y'a personne. C'est fou. Qu'est-ce qui se passe? Incroyable. McFly is on fire. Mais c'est un monstre. Mais en même temps, je suis content. Y'a du monde, McFly. Ah ouais, d'accord. Les gars, fais gaffe. La vache. Ah, il va se cacher! Ils sont partout. Ah, ouais, ils sont partout là! Venez me sauver! Je peux pas construire, je te laisse construire, frère! Un down! Je suis down! McFly! Ouais! McFly! Oh non! Putain! Putain, on est nus! Eh les gars, on y retourne tout de suite! Pas de questions! Attends, ouais, mais là, il y a de l'argent à payer là! Ah, oui, merde! Moi, j'ai fait un kill, donc moi, j'en ai fait 3. Et moi. Moi, 0, gros! Et moi, 0. Ah, oui! Ah, il m'a immunisé! Mais oui! Oh, mais c'est trop bien cette règle! Oh, je l'avais oublié, je pensais. Ah, oh, trop bien. Donc, Doig, c'est combien que tu vas donner là? Bah, 0 moi. Eh merde, c'est moi, j'ai déjà oublié.
Combien je donne moi? Bah je crois que c'est, je sais pas, ils vont me dire, je crois que c'est pas beaucoup. Attends, mais c'était une fois 10. C'était une fois 10. Hein. Ah, fois 10. Donc c'est 40 euros parce qu'il y a 4 kills. Ok, c'est pas mal. Ouais, c'est cool. Est-ce que du coup t'es toujours aussi heureux du kill de McFly? Ouais, je suis heureux. En fait, c'est tellement jouissif de le voir faire un kill. Mais j'avoue que t'es chaud en vrai, toi. Je suis chaud. Tu vois, il est arrivé, il lui a calé son plus gros 117 dans la tête. On reste en fois 10 du coup, toujours. Bien sûr. Par contre, McFly Carito, 10 secondes, un petit mot avant de choisir l'IMU. Je vais vous dire un truc qui va vous paraître bizarre. Ne me mettez pas en IMU. Quoi? Ah, t'es confiant maintenant, toi. Mais non, mais non, mais non. Il est dans leur tête, en fait. Mettez-moi en IMU, bien sûr, évidemment. C'est pas la peine. Voilà, je vous le dis, ne le faites pas, je vous en supplie. Non, mec, il y a un mec là, juste là, les gars, j'ai peur. Je veux pas mourir tout de suite. Gota, gota. What the fuck? Il y a un mec. What the fuck? Il a l'air nul. Oh non, mais je suis mort tout de suite, les frérots. Oui, je suis McFly qui a l'immunité, j'ai entendu cette phrase, quel bonheur. Est-ce que quelqu'un peut venir m'aider, les gars? Oui, oui, oui. S'il vous plaît, elle va venir, elle va me shooter, elle va me shooter là. Non, y'a Gota, t'inquiète pas. Oh, frérot. Ah, bouge pas. Oh là là, mais l'amour que j'ai pour toi. Parce que là, je suis pas immunisé là, donc les réas, je prends. Je le vois rarement faire ça. Ah ouais, je sais pas ce qu'il a avec toi. Non, moi, c'est pas. On parlait des youtubeurs qu'on aime bien, c'est vrai que je les aime bien. Ah, c'est vrai que tu nous aimes bien? Ouais, en vrai, ouais. D'abord, tu regardes quoi sur YouTube, Gota? De base, c'est Camille qui vous a découvert, c'est ma copine, et du coup, j'ai regardé vos vidéos. Et en fait, même, je sais pas si vous êtes aussi aidé pour les scripts, mais même vos OP. Parce que bah forcément quand tu connais un peu plus le game tu vois aussi un peu plus le ouais, etc. Même vos OP sont super bien réalisés tu vois. C'est à dire que c'est des vraies vidéos bien, les concepts sont bien derrière. C'est pas en mode coucou alors cette vidéo elle est sponsor par NordVPN et on va rien faire dedans, juste je fais la pub quoi tu vois. Juste pourquoi je danse les gars là? Mec il t'a lâché un compliment de fan. Bah je sais mais j'étais en train de danser sans raison, il y a Doigui qui me fait danser. Mais c'est vrai tu vois genre même vos OP elles sont super bien. Mec c'est la ça fait plaisir parce que c'est du taf. Putain là ça fait vraiment des youtubeurs qui parlent entre eux. Non mais c'est bizarre de danser. Ouais non mais tu te rends pas compte. Mais en vrai je comprends totalement. En fait quand tu travailles avec une marque star parce qu'elle a des directives tu vois, et des fois en fait c'est très dur de trouver un concept autour. Ouais. Limite t'oublies. Tu peux en prendre une boisson vous êtes vraiment sur la limite là, ça vous dirait pas de Caheb plus loin? Oui, t'inquiète, on avance tranquillement. Après je vous explique les règles. Ah ouais, il a raison, attends. La zone. C'est juste que moi j'en ai marre, je pars devant, j'en ai marre de courir quoi. Alors venez, alors on va aller jusqu'au robot les gars. Pour vous allez vous mettre dedans et vous allez pouvoir tuer des gens, ça va être trop bien. Mais t'es où? Il est là, le robot. Venez. En vrai Gota, tu vois ce que tu disais d'ailleurs avec les shields, les bulles de shield là. En vrai c'est trop fort avec McFly Carito. On les met dedans et on les protège. Et là tu montes dedans et McFly tu montes. Attends, t'en bouge pas. McFly va monter là où il y a Carito, vous pouvez être deux dedans. Un qui tire, un qui bouge. Monte dedans là. Bref, il faut se synchroniser les gars, la game est entre vos mains, à tous les deux. Et là moi je tire. Là tu montes avec la. Il y a une touche affichée sur ton écran normalement. Qui est le meilleur pilote des deux là? Conducteur. Ok, donc il y a un mec qui conduit, un qui tire. Moi je suis le conducteur alors, c'est ça? Allez vas-y Vida. Et si je descends, on va pas mourir là? Non, le robot il meurt pas. Non, vous pouvez faire des gros sauts, etc. Alors pars d'espace, pense-y, ça va te permettre de faire des réseaux, teste un peu McFly. Voilà, et fais shift. Toi tu peux tirer des missiles et tirer à la mitraille. Shift, c'est quoi shift? Oh waouh, d'accord, au-dessus c'est terrestre. Ouais, toi ça tape la missile, toi tu restes appuyé sur clic gauche, quoi, ça fait mitraillette. T'as que c'est le truc là quoi. Et après vrai c'est Carito qui gère. Allez, c'est la dernière partie peut-être les amis. Je pense c'est la bonne game. Ok, venez on fait top 1. Gota comme ça, toi et moi on fait que les protéger. Voilà, là t'es bien. Ah y'a quelqu'un. Vas-y, faut tirer frère. Non. Mais place-toi bien gros. Bah mais t'es marrant toi. Je sais pas d'où ça vient. C'est la pire chose. C'est là-haut. Mais oui, c'est là-haut, tire. Je les shoot dessus là. Tire, vas-y, on en a. Tire, tire, tourne droit. Là, il est là, vas-y. Ils sont pleins. Plus haut. Non, mais ils sont trop, mec. On est là. Oh non. Je suis désolé. J'ai fait tout ce que j'ai pu. C'était. Contact, pompe, clic droit. J'ai fait tout ce que j'ai pu, McFly. C'était nul, on était nul. Je sais que t'as fait tout ce que t'as pu, moi aussi j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais... ils sont dans le robot. Ouais, ils l'ont pris, bien sûr. Non, on en a un autre. Et il est pas en le robot? Ah, il tue trop de monde, c'est magnifique. On va tellement payer de thunes. Ah non, mais chez moi là, c'est moi qui suis. Ah non. Oh là, tu vas tellement payer, frère, c'est horrible. Il faut un peu de tu conduis bien quand même, hein. Nice. Ah, vous êtes où? On peut vous sauver. Ah oui, je t'en supplie. Ah ouais? Ouais, on va prendre place sur nous, je te jure, j'en peux plus. Allez. Vas-y, voilà. Oh là 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 là, les plus gros cheatés du. Loot tout, on récupère le robot, on va les réanimer. Et on va faire top 1 cette game, putain. T'as pris la plaque? J'ai pris les deux plaques, ouais. Thème de la prochaine vidéo. Ah, pas mal, on le dit. Ouais, thème de la prochaine vidéo. C'est la dictée la plus dure du monde. On est en train de vous donner l'exclu, hein. La dictée la plus. Ils écoutent pas, mais c'est ça qui est. On vous donne l'exclu de la prochaine vidéo. Pardon? Vas-y. La dictée la plus dure de France. On fait la dictée la plus dure de France dans une salle de classe et tout. Non, mais vraie info? Ouais, la dictée de Mérimée, c'est un truc de bâtard. Elle est tellement dure. Il y a plusieurs invités, notamment des gens du stand-up, et c'est des barres, on s'est tapé des barres dans cette vidéo. Et il y a surtout aussi, dans cette vidéo, un invité qui nous a été beaucoup demandé, mais que je ne révélerai que si vous le trouvez. Ah ouais? Ouais, à vous de trouver.
À quand une OP avec Franck Promo? Viens, il y en a un autre, il y en a un autre. Les amis. Là, on est en train de répondre à des questions pendant que ça joue. J'adore très fort. Ton crâne, merci. Ah, ça va trop vite, les gars. C'est très très vite. Non, le Yvick, on l'a déjà eu. C'est un autre gars pour la prochaine vidéo. Sardoche, ouais, je lui ai parlé. Cool. J'ai pas fait exprès pour le shield qui nous suit. Kemar, il va très bien. Antoine Daniel, ok. Mastu, Freddy Gladu, Antoine Daniel, non, c'est pas ça. Il y a que des gens, il y a que des noms de gens bien. Léna Situation. Léna Situation, ce n'est pas elle non plus. Ah, mais ah, ils disent des noms. Ah, moi, je donnais mon avis sur les gens depuis tout à l'heure. Non. Allez, je donne un indice supplémentaire. Il n'est pas tout seul, ce n'est pas un youtubeur seul. C'est un youtubeur et. Rocco Siffredi, bravo. Non, pas du tout, pas du tout. Attention, est-ce qu'on vous propose est-ce que vous êtes censé guérir là depuis tout à l'heure? Là, dans 30 secondes, vous êtes de retour, hein, donc profitez. Ah ouais, ok, parfait. Palmacho, non, mec, Link et Terracite. C'est un duo, oui, mais c'est ce n'est pas... C'est un duo qui vient dans notre prochaine vidéo avec d'autres aussi. Oui, quelqu'un l'a eu. Le monde à l'envers, bravo Lucas. Le monde à l'envers, bien joué. Enfin, on fait une vidéo avec le monde à l'envers. Enfin, pas que avec eux, mais c'était des grosses, grosses barres. Ok, d'autres questions? On est en train de revivre tel le phénix qui renaît de ses cendres. Ah, et vous êtes de retour, messieurs. Par contre, il y avait des cours des tout autour. Il y a des zombies, les gars, oui. C'est horrible. Non mais c'est des trucs faciles à tuer, les zombies, t'inquiète. Oh là là, quelle horreur. Les gars, il reste 20 personnes. Hein. 20 personnes, allez, le top. Allez, go top, on focus là-dessus. Et après, on continue les FAQ. Non, parce que moi, c'est tout l'opposé de toi, Carito. C'est-à-dire que moi, je me lève vers 17h. Là, c'est ma matinée, tu vois. C'est mon début de journée. On a tellement la vie opposée, c'est trop drôle. Mais c'est normal, c'est normal. Bah, moi, les seuls moments de ma vie où j'ai fait ça, c'est les nuits de montage. Et avant ça, c'était les nuits sur Metal Gear Solid ou les trucs comme ça, tu vois. Non, mais même avant d'être papa, tu étais pas un peu plus nocturne? Si, ouais, voilà, c'est ça. C'est depuis que tu es devenu papa que c'est plus compliqué, à mon avis. Ouais, timing. Bah, exactement. En vrai, ça chamboule beaucoup de choses. Que du coup, on va pas tarder à y arriver. Après, je vais avec Gotha, enfin, en tout cas, je nous le souhaite. Écoute, ah ouais, bah je sais pas, on commence à faire vie aussi. Hein. Écoute, déjà, je cours tout seul, vous êtes avec moi? Ah ouais, vous êtes avec moi. Là, on est là. En fait, frère, avec nous, on est ultra optimiste. On voulait des enfants, on adore ça. Et on a deux enfants chacun. Et on est plus heureux que jamais, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, ça contribue à votre bonheur, quoi. Et notre vie a changé en bien depuis qu'on a des enfants. Et on a jamais autant taffé qu'aujourd'hui. En fait, ça vous organise, etc. Enfin, ouais, j'imagine que. Il y a aussi de ça, ouais. Ça te responsabilise, tu t'organises un peu plus. Exactement, tu vois. Bah après, c'est la maturité aussi, tu vois. Là, tu parles des bons côtés. Mais il y a des mauvais côtés, tu vas pas nous faire croire. Bah, mauvais côté, comme je dis tout le temps, les gars, si tu te lances dans un long métrage ou une série ou un tournage de ouf, t'es crevé. Quand t'écris un livre, t'es crevé. Quand t'écris un livre, quand t'as des enfants, t'es crevé. C'est un projet énorme, t'es crevé quoi. Mais les gars, les mauvais côtés, à part la fatigue, il y en a pas de mauvais côtés. Et la fatigue, elle est inhérente à chaque énorme projet de ta vie, mec. Donc, c'est pas tellement un mauvais côté, c'est plutôt une caractéristique du truc, tu vois. Ok, c'est bon. Mais nous, après, on l'a fait pour les bonnes raisons aussi, tu vois. On savait qu'on voulait des enfants. Et chez les allocs, il y avait quoi d'autre comme raison? Je rigole. Il va regarder. Enfants, moi, la raison première, c'est surtout pour avoir du lait des seins de ma femme, hein, essentiellement. Ah, ouais, parce qu'il fait comme Jim Carrey, lui, il boit du lait de seins de sa femme. Alors, est-ce qu'on peut dire un moment qu'on rigole ou. Non, c'est sérieux. Il te croit pas? C'est incroyable qu'il croit pas ça. Non, vraiment. Mais mec, le lait, spécial c'est dédicace génial. À Tiffany. Et genre, tous les. Je sais pas, au parc, ils le font pas, mais genre tous les lundis, mercredis. Ouais, après, ça dépend, c'est pas aussi réglé et que ça. Et bah, il boit le lait des seins de sa femme. Ouais, ouais, ce qui est relou, c'est que c'est vraiment, vraiment. Mais les mecs, alors, faut savoir que c'est ce qu'on appelle un super aliment. Ouais. Y a rien de mieux, ça règle tellement de problèmes. Y a rien. C'est génial pour la C'est un aliment pur, c'est pas un aliment transformé, c'est pas un aliment qui est sale, c'est bio par définition, quoi. Et même à 30 ans? Ouais, bien sûr. Et une fois, c'était drôle, il l'a fait devant un commissariat juste pour rire. Comment ça, il a fait? Ça tire de la. Parce qu'il sait bien que si des flics. Mais la bouteille, en fait, du coup, elle lui fait des bouteilles. Non, il boit aussi. Non, vas-y, c'est bon. Non, tu bois directement elle sort du sein. Son sein et il boit les seins. Moi, je suis désolé, mais en fait, on sait jamais quand vous êtes sérieux ou pas. Du coup, là, les gars, sérieux, mettez pas une ambiance chelou. Vas-y, non, on n'est pas là pour juger. Eh, mais attendez, on se concentre. Là, il y a plein de méchants. Ouais, go focus. Allez, on focus. Je suis en train de viser, sur les méchants. Merde, sur moi. Ah putain! Je me cache. Oh, j'ai réussi à skiff. En vrai, planquez-vous dans une. Eh merde. Pourquoi planquez-vous? Venez me sauver. Parce que là, c'est la fin de la game. Là, ça ah va être. D'accord, ça joue bien là, c'est ça? Ouais. Évidemment, l'anecdote est fausse, les gars. T'imagines si je faisais vraiment ça, t'es un ouf quoi. Franchement, même le chat, il y a un mec qui a dit c'est excitant. Ah. Eh, mais on vous a trollé un peu. Attends, on essaie de faire. Je panique là. On essaie de faire top 1 d'abord. Non, mais moi, je compte sur McFly. Hein. Ok, pour l'instant, il y a 10 personnes sur la map. Il y a Gotha qui construit en masse. Toi qui lance sécu. On a McFly qui essaye de sniper à la limite. On a la construction du côté de Gotha. Ils sont pas ensemble. Et Dwagby, de son vrai prénom. Yannick. Comment tu connais mon prénom? Bah ouais, t'inquiète. Non, vraiment, tu connaissais mon prénom? Ah, il me troll à son tour. Ah, putain, mais vas-y, on se connaît trop. Et les Mansounds qui essaient de tirer à distance, hein. Il est caché. Il est trop McFly mignon. McFly tire sur Gotha. Il est trop mignon. Mais MDR, ouais, c'est impossible que je le touche. McFly et Carlito n'ont pas construit de la soirée, c'est une vraie soirée. On est 10 sur la map toujours. Restez ensemble, les amis, restez connectés. Je suppose que certaines personnes ont cru à l'anecdote du lait des seins. Oui. Moi, j'ai cru, moi j'ai cru. À la fin, je commençais vraiment. T'imagines voir ça dans la rue? Mais t'es fou. Après, vous êtes. Vous avez tellement habitué à des trucs qu'on.
s'attend pas que. Ah ouais, d'accord. On a Doigby, on a Kota qui construit, mesdames et messieurs. McFly est mort, malheureusement. On est 2 contre 7. 2 contre 7. 2 contre 7. C'est quasiment impossible. Les gars, on y croit. Allez, les gars. Encouragez-nous le chat là. Allez, allez, le chat, on y va. Et surtout, je vous raconterai une anecdote de saint vrai après. Si vous restez jusqu'au bout, évidemment. On a Gotha et Doigby qui sont ensemble, c'est assez beau à voir. Je suis avec toi, il monte, il prend la hauteur. Vous noterez que j'ai été vraiment une quiche ce soir. On s'excuse. Carlito, t'es pas beau. Ça, par exemple, sur le chat, ça crée uniquement de la douleur. Ceci étant dit, Doigby et Gotha sont en train de faire le match. On est toujours 9 sur la map. Il y en a pas un qui tombe pour l'instant, ça tombe pas. Je reste ça avec toi, Gotha, hein, je me donne pas trop. Y'a un mec contact. Apparemment, il y a un mec contact. Ah oui, le son. Oh, il a pris mon piège. Oh, un down. Il y a un down pour Doigby, bravo. Il y a un quoi? Down, c'est-à-dire au sol. Ok. Down. Au moins, c'était down, genre comme ça. J'ai pas l'action. Et les gars, je peux répondre à des questions pour le chat ou c'est pas niveau pour répondre du bazooka. Il reste pas longtemps. Allez, il y en a deux en moins, ils sont plus que 7. Il y en a plus que 7, attention. C'est quoi que tu fais là, Doigby? Attention, ça tire. Oh là, ça tire à balle réelle. Il est derrière le mur. Il envoie. Il est derrière. Attention, doigt gauche. Allez, mon doigt gauche. Oui, tu l'as touché ou tu l'as pas touché? Doigt, attention, ce qui se passe, c'est l'histoire qui s'écrit ce soir. Allez, ça construit. Pourquoi tu vas en haut? T'es obligé d'aller en haut. Ah, il se cache, il se camoufle. Attention, il est retombé. C'est pas bon ça. Oh là, le mec est là, il tire. Ils sont plus que 5. Ils sont plus que 5, Doigt. Ils sont plus que 4. Ils sont plus que 4, Doigt. On est avec toi. Ils sont plus que 4. Ils sont plus que 4. Oh là 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 là. C'est l'angoisse, mesdames et messieurs. Mais s'ils sont ensemble, je suis mort. Pourquoi? Mais non, t'es pas mort. Je crois pas qu'ils sont ensemble. Je crois que genre ils doivent être 3. Il doit y avoir un autre mec qui survit comme ça. Ils sont plus que 4. Il est là. Allez, Doigt gauche, on est avec toi, mon doigt. Allez, mon doigt gauche, tu l'as eu direct. Allez. Oh putain, c'est très dur. Ah, c'est chaud. Putain, c'est beau plat. Tu vois, regardez, restez encore quelqu'un. Je m'en veux. Mais non, mais tu peux pas. C'est beau, 3. On peut applaudir. On peut applaudir. Putain, c'est beau. Donc qui avait l'humidité là? C'est moi. McFly. Oh non, Carito qui va prendre 100 balles. Ah, 10 fois 10. Combien de kills? Mais les gars, 10 fois 10. Ah la vache. Ah non, plus elle est rien en plus. Ouais. Ah là là. Comment ça va, mon Carlito? 150. Il y a un petit 150 plus les 42 tout à l'heure. Pour faire les choses dans l'ordre, GG Doigby. GG Doigby, totalement de ouf. GG, regardez sur le chat, c'est encore GG de ouf. Ça balance du GG à foison, à toute berzingue. Vive les saints, c'est également ça. Non, mais il y a eu cette histoire en milieu de la game et tout. Non, mais c'est pour ça. On peut pas se focus aussi. Moi j'étais en mode. Moi j'avais l'image de lui devant le commissaire. Je connais pas sa femme. Donc après, j'avais pas. Voilà, c'était une image floue. J'étais en mode comme ça, elle a dégainé et il est arrivé comme ça dans le commissariat. Comment vous avez pu y croire? Au bout d'un moment, non mais vous étiez fort. Mes enfants sont allaités jusqu'à très tard. Ma fille a été allaitée jusqu'à 2 ans et demi et ça va être un peu préparé pour mon fils. Donc big up de ouf à ma femme que j'aime. Parce que allaiter un enfant, c'est fatigant jusqu'à 2 ans et demi. Vous imaginez pas la force qu'il faut. Et bravo à toutes les femmes aussi en général avec les enfants, c'est vraiment du boulot de ouf. Mais j'ai une fois tété. Pour goûter. C'est honnête. J'ai tété pour goûter. Personne ne dit. Et c'est pas dégueu du tout. Mais mec, t'es fou de lâcher du lait quoi. Du coup, c'est quoi le goût? C'est vraiment. Bah, c'est un proche lait sucré. Le problème, c'est que ça. Ils vont faire un extra vidéo de j'ai tété pour goûter. J'ai tété pour goûter. Un remix. Tu l'as. Un remix, vous l'avez. S'il vous plaît. Tu l'as. S'il vous plaît. Tu l'as. Un remix un peu, tu vois, un peu électro de j'ai tété pour goûter. Je vais vous le dire, le problème. Le problème, c'est que ça sort à 37 degrés et que tu bois quasiment jamais aucune boisson à 37. C'est pas une température ouf pour les boissons, tu vois. On a une espèce d'accord tacite quand on est en public. C'est qu'on fait genre on dit des trucs mais en vrai on révèle pas grand chose, ok? Il lâche lui un truc, j'ai totalement sincère. C'est la magie d'ici. C'est incroyable ce qu'il vient de dire. Mais oui, c'est trop bien. J'ai tété. Et je vous invite à essayer. Il a tété pour goûter. Et surtout je vous donne un nouveau truc. Le lait maternel, vous savez que c'est vraiment ça, magique. Vraie info. Cet été, on était avec Carlito. Mais c'est pas possible, c'est un business. Non mais attends, attends, il y a quelqu'un qui sait pourquoi je commence à te croire. J'ai tété pour goûter en tété. Mais go, franchement go. Non mais c'est pour ça que tout à l'heure je commençais à te croire parce que t'étais en mode mais c'est super bénéfique pour notre corps. À partir de là, tu m'as eu. Ah, là, c'est, oui, en mode, ça, c'est un truc de ouf déjà, le lait maternel. Ça s'adapte à l'enfant, ça s'adapte à la croissance de l'enfant. C'est jamais pareil en fonction des enfants. Mais surtout, écoutez bien, je me fais piquer par une guêpe cet été avec Carlito sur la plage de Calvi. Première fois que je me fais piquer. Ça commence à venir et tout. Vous savez ce que c'est? Ça commence à gonfler de ouf. Je courvoie ma femme qui est naturopathe. Je lui dis, t'as pas un truc, une huile essentielle et tout. Elle me dit, putain, j'ai lu que le lait maternel, ça calmait. Elle me met du lait maternel. Mec, en 30 secondes, plus rien. Plus rien. Le bouton est parti, la douleur est partie à 100%. Plus de piqûres de game. Il y a un lobby, y a un lobby là du déjà, j'ai tété pour goûter là. Regardez, le chat est génial, il y a hashtag GTT en mage. Mais Max, que tu viens de dire, c'est trop bien. GTT pour goûter, mais les gars, dans votre vie, vous n'entendrez personne vous dire ça. Mais c'est grandiose. Mais c'est que là, c'est le dossier quoi. C'est pas un dossier, j'en suis hyper. Titre YouTube, McFly tête pour goûter. Non, ça va être. J'en suis fier, les gars. GTT. Non, mais c'est pas. Non, mais après, c'est pas. Je nous imagine genre avec Yann Barthès ou un truc. C'est vrai que vous avez tété pour goûter. Oui, tout à fait. Ouais, je l'avais révélé chez le truc. Non, ça vous fait
rien. Ouais, ça c'était. Bah, les gars, c'est un truc de. Ouais, bah après, le problème, c'est que j'ai pas accès à du lait maternel. Voilà, ouais, pareil, pareil. Quand tu regardes dans les alentours s'il y a une dame qui allait, t'arrives et tu fais excusez-moi. Ouais, voilà, ça. C'est limite plus facile d'aller à la pharmacie et de prendre un vrai produit que de trouver ça. Bah, sauf si ta femme allait tes enfants. Et c'est à ce moment-là où t'en profites, sinon c'est mort. Mais du coup, fais des bouteilles, fais des réserves. Ah, mais mec, c'est parti, là, je suis parti en congélateur. Pour l'instant, tu vois. Grâce à toi, et c'est la magie d'internet, tu auras un remix électro et ça me rend heureux. Je sais qu'ils vont le faire. Ah, mais c'est sûr. Je vous donne une voix comme ça. GTT pour goûter. GTT pour goûter. Oui, GTT pour goûter. GTT pour faire quoi? Eh bien, pour goûter. Yes. Allez, on vous la donne. Vous prenez ça. Vous avez l'hymne. À vous de jouer. Ça va être notre hymne de cette saison. Tu pourrais que t'imagines, l'émission, elle commence. GTT pour goûter. GTT pour goûter. Bien joué à toi, Maxence, en tout cas, qui vient de gagner 150 balles. Non, mais je viens de le voir qu'à pop. Il y a deux questions qui reviennent sur le live. Il y a Royal Rumble. Non, il n'y en aura pas. Maintenant, je veux dire reprise, il nous fait la transi de ouf. La reprise, semaine prochaine du Royal Rumble. Ça va être la grosse info de la semaine prochaine. Chaque semaine, on va avoir des grosses nouveautés et tout. Okay. Merci, Carigan. On est là pour parler de vous et tu nous fais des petites passes. Mais non, mais et Gamma Triste, les gens nous demandent. En vrai, on l'avait déjà glissé, je crois, mais en gros, on cherche encore. On a une piste. Mais on a besoin de vérifier cette piste. On peut pas se foutre de la gueule des gens et dire ah, c'est bon, on l'a trouvé. En fait, fake. Donc on doit vérifier, vraiment vérifier à 100%. Mais on est dans cette étape. Tu vous voyez de quoi on parle. Kad Elmaleh qui était venu notre vidéo, qui a raconté une anecdote où il chope un gamin dans la rue qui fait une photo avec lui. Il s'était fait tirer 50 balles, il avait réussi à choper le voleur, mais plus le gamin. Et le gamin triste, on essayait de le retrouver. On a lancé une adresse mail, mais on a reçu. On avait demandé de pas être des impossible. Trolls, mec. Ouais, mais bon, un nombre de trolls. Ah, mais c'est impossible. C'est sans fin. C'est-à-dire que les gens, ils t'écrivent, c'est pas moi, gamin triste. Okay. Juste ça. Ouais, là, c'est du troll, pur et dur. Bah, merci pour l'info. Mais pour vous dire, il y a eu une réponse qui coïncidait avec plusieurs indices, quoi. Et donc, on est dessus encore. Ah putain, j'ai une crampe en live. C'est horrible. C'est horrible. Merde. Ouais, comment on fait? Allez debout, qu'est-ce qu'on peut faire? Il est cassé ce mec. Ah mais mec, je suis mort. Mec, c'est incroyable. D'ailleurs, t'es plus blessé depuis combien de temps là? Ah mais je peux pas te répondre, putain, mais il est incroyable. Mais par contre, je pense qu'on peut t'allonger le siège. Ouais, c'est ça. Allonge-toi. Mais vraiment là, il faut faire quoi? Occupez-vous d'autre chose. Parlez d'autre chose. Agis, il est des questions le chat. Ah ça y est, elle part. Là, il y a tellement de trucs qui se passent. Tu pèses combien, on me dit? Alors, question suivante, il y a plein d'autres super questions en tout cas. Pire souvenir sur un tournage, est-ce que vous l'avez déjà raconté ou quoi? L'autre qui est, ça va mec? Il a compris un truc, plus tu fais durer, plus il y a de la fatigue, plus tu donnes des infos. Exactement. T'as une info sur un truc? J'allais dire, j'ai vraiment besoin de faire du sport, j'allais dire. Et ça transitait peut-être sur un... Ah ouais, mais c'est... Mais là, il veut une anecdote. Ils sont en train de se tester, est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas? Non, là, on allait vous donner une autre exclue. On prend toutes les exclus. Vas-y, prends tout. Je les adore. Attends, mais attends, une anecdote de tournage qui s'est mal passée. Ok, j'en ai une. Le Fat Show, c'est le nom de notre chaîne, c'est l'URL, c'est l'émission qu'on avait sur une chaîne du câble et tout. Et on faisait un peu des caméras cachées. On n'avait pas beaucoup de temps, on n'avait pas d'argent, mais on y allait on au bagou. Pas d'argent, pas d'abonnés à l'époque, la chaîne. Pas d'abonnés. Pour bien préciser, il y avait. Mais peu importe, même plaisir, même sensation. On fait une caméra cachée où on fait genre un parti politique. On fait deux politiciens vraiment à chier avec des perruques, des moustaches, et on avait un parti politique inventé qui s'appelait le Prépuce. Putain, je synthétise et je parle jamais mieux que quand j'ai une crampe. Et on va place de la République à Paris, donc plein de monde, et on dit avec que des jeux de mots de merde. Voter Prépuce, le parti en bas de la ceinture et tout. Et on était avec des gueules qui nous faisaient mourir de rire. À l'époque, on travaillait pas nos sketchs, on avait pas le temps, on avait pas d'argent, on devait sortir une émission de 26 minutes par franchement, semaine. Franchement, c'était par semaine. J'étais pas obligé de le préciser, on avait coupé, je pense. Et on arrive et tout, on fait la. Je sais pas, on tourne une heure et tout, c'est cool. Il y a des gens qui jouent le jeu, d'autres qui se barrent, normal, caméra cachée, toi-même, tu sais. Et là, il y a un mec qui arrive, tu sens qu'il est. Premier degré. Genre, on l'emmerdait, tu vois, mais il était vraiment. Sur les nerfs, vindicatif, tu vois. Et du coup, nous, bon, quand t'as un profil comme ça, on s'est dit, vas-y, on en joue un peu. On fait, ah, vous êtes levé un peu nerveux. Côté pour le Prépuce, ça vous détendra. Ça ira mieux, quoi. Voilà, des conneries comme ça. Tendu du gland, des trucs très bêtes. Et on lui dit, allez, détends-toi. Vraiment, tu t'es mal réveillé ce matin. Et bam tout il suite. Me fout une droite. Pas de. Une pas vraie, de... ça se sent qu'il a été boxeur. Petit gabarit, trapu. Oh là là. Mais genre 40-50 ans. Attaque frontale, quoi. Un direct, tu vois ce que c'est un direct bon, donc il n'y a pas d'élan, un vrai jab des familles. Et en plus j'avais des lunettes à la con, du coup j'étais en politicien avec une perruque et les lunettes comme ça. Et on était secoués, on était là wow. Qu'est-ce qui vient de se passer tu vois. L'adrénaline fait que je suis même pas tombé, j'étais choqué mal, quoi. Ouais. J'ai eu mal après tu vois mais... Et on a les rushs, on pourra essayer. Jamais diffusé. Jamais diffusé. Ah, non, jamais diffusé. Non parce que le mec ça promeut une certaine... C'est vrai. Même non, si c'est on vrai, dit... Non, c'est vrai, c'est vrai. Pour dire quoi en fait? Ouais, c'est vrai. Regardez, on n'est pas tombé, regardez lui, non, c'est mais surtout, ça, c'est la définition du putaclic quoi. Mais bon, le mec, il m'a péta, écoutez bien ça. Il m'en fout une, mais vraiment très violente. Ah oui, non, mais on a compris là que. J'ai l'impression que tu la revis d'ailleurs, cette patate là. Désolé de te refaire vivre ça. Et du coup, on est sonné, il se casse, on se rejoint en équipe, sonné et tout. Et on discute un peu, genre 30 secondes, et on le voit revenir encore. Ah ouais. Il avait une autre idée en tête et il était en train de la gueuler cette idée. Il disait les rushs, tu sais, en caméra cachée, oui, ça arrive, oui. Ils veulent prendre tes rushs. Donnez-moi les rushs, donnez-moi la caméra. Le mec est quand même conscient de ce qui se passe quoi. En fait, comme on s'est réunis comme des cons, il a vu qu'il y avait notre équipe, notre caméraman et tout. Sauf que malgré tout, moi jamais de ma vie je donne des rushs. C'est notre métier, c'est ma vie, je sais que c'est
jamais de ma vie je lui donne les rushs. Donc on est là. C'est le moment où t'es prêt limite à te battre. Bah ouais, mais moi je suis anti-violence de ouf. Mais. Pas les rushs. Pas les rushs. Non, non, pas les rushs, pas les rushs. Bam, la deuxième même. Mais non. Là, il y a mes lunettes qui tombent. Et ah là, ouais, et là ouais. Rappelle-toi, j'ai pété un câble. Genre, tu sais, je m'étais dit, pas de violence, je déteste ça, la violence. Et vraiment, je trouve ça. Ouais. Voilà. Mais là, il m'a fait monter en mode super saiyan. C'était plus toi. Tu te quoi. Rappelles de ce moment un peu? Ah, bien sûr. J'ai exulté, tu vois, j'étais galvanisé, mais dans le sens vraiment péjoratif du terme. Mais t'es malade, toi. Tu sais, pétage ouais. De plomb. Là, c'est parti. Ouais, mais sauf que c'était. Il y a une foule qui s'est jetée. Il y a une foule qui était là, tu vois. Comme il a gueulé, tout le monde s'est jeté. J'ai gueulé comme un malade et j'allais le choper et on nous a séparés. Et après. Il a disparu. Et les flics sont venus et on discutait avec les flics. Mais ouais, c'est lui. Et il était parti, genre, le mec. On Batman. Batman, frère. On c'était fini. Le mec, ça a vraiment existé. Le mec ce a une vraie connaissance de la street. Je joue deux droites bien sèches. Ouais. Il s'en va. Il s'en va. C'était fini. Et en même temps, il pense au rush. Le mec est smart. Et il pense au rush. Là, vous êtes tombé sur un gars, il a un sale cerveau. Oh là là. Hey, vraie question, j'ai vu ça passer. Est-ce que vous avez mis Gotha dans vos petits papiers pour un YouTube Warrior? Oh, oh. Est-ce qu'on a fait ça? Non, pour l'instant, mais c'est une très bonne idée. Eh. Ouais, ouais. Bah, vous deux. C'est une bonne idée. Moi, pas... Pourquoi il se marre? C'est marrant. Moi, je suis pas très sport. Tu vois, en vrai, après, si c'est contre vous, c'est ok. What the... Ça veut dire quoi ça? Bah, ouais, bah, nous aussi, si c'est contre vous, c'est ok. Bah, s'il y a du sport, gros, t'es. On va faire un mec, on va gagner un YouTube Warrior tranquille. Oh, wow. Ah, on va faire ça. Oh, et on peut faire un truc, le gage, un truc très jeu vidéo, très. Oh. Alors, contre, ouais. Là, t'as le plus grand tryharder de France. C'est-à-dire que tant qu'il a pas l'objectif, il s'en fout. En fait, c'est-à-dire que je vais juste revoir tous les. Ouais. Là, tu vois, tu vois, tout ça, là, ça va devenir un ninja. Non, franchement. C'est une salle de muscu dans une semaine. Vous connaissez pas. Je te jure qu'il est comme ça. C'est des nouveaux concepts à chaque fois. Tu pourras rien travailler. On se serre la main à 4 là maintenant devant moi, tout le monde. Je suis chaud dans en direct. Hein. Faut qu'on arrive à le monter parce qu'il ouais, faut qu'on arrive à le financer. Alors, je vous explique parce que les YouTube Warriors c'est une tannée à financer. Les derniers là avec Squid. Et justement, ça c'est les meilleurs je trouve. Ah mais ils sont parce qu'en fait, tu sais, c'est quand même une OP dans le sens où il y a une marque derrière, mais en fait c'est trop. Bien fait. Enfin, je sais pas. Ouais, non, c'est cool. Pour être très franc, c'est souvent des jeux vidéo qui nous les financent. Donc en plus, si c'est avec vous, ils seront peut-être encore plus chauds. Il y a World of Tank en ce moment. World of Tank, hein. On l'a déjà fait avec bah là, je pense qu'on est chaud. Et le dog, il est déjà dans les. Non, mais ouais, là, il y a un contact. J'ai hein. Contact. On va essayer de monter un truc. Allez, monsieur, on signe. Messieurs, on va se lever. On se lève tous les quatre. Ah merde, on se met debout, allez, ah, vas-y, ah oui, c'est une trompe. Oh, elle revient. Ah bon, reste assis. On vient tous à côté de Carlito. Yes. Ah non, mais on fait une chaîne, on fait une chaîne. On fait une chaîne, ok. Et on fait quoi après? C'est très bizarre ce qu'on a fait. Là, il n'y a rien du tout. Là, c'est vraiment yes, grave. Yes, regarde ça. Contrat signé, les gars. Yes. Regarde ce qu'on est en train de vivre. Bah écoutez, c'est regarde, parfait. Des milliers de gens rêveraient d'être à notre et bah, vous savez quoi qu'on fait. Si un jour on le fait vraiment sur YouTube Warrior, on commencera la vidéo mais comme ça. Il continue à faire ça, ouais. Non, mais en vrai. Ok, on commence comme ça. Si un jour on fait la vidéo YouTube Warrior, on commence comme ça. E-Warrior, pas mal. Mais les gars, mais vous êtes incroyables. C'est dingue. C'est signé. Les gars, on s'est donné quand même, on a fait le max. Merci. Tu le mec qui a envie de parler. J'ai envie de rentrer. En vrai, merci à vous parce que même moi je vous ai prévenu tardivement pour du coup cette première et vous avez d'être répondu présent directement. Vraiment, dans la minute qui suivait, il me disait ouais, putain, on est méga chaud machin. Pour le ça. Coup, pour dire aussi aux gens, parce qu'on va être dans l'honnêteté, ça faisait des mois aussi la saison dernière, on a été salauds, on a vraiment mal répondu, on était trop sous le feu. On était occupé. Avec le bac, c'était ouais, vraiment chaud. Vous étiez occupé, c'est normal. Là, on était dispo, on avait trop envie et donc voilà, on est là. Trop plaisir. Un grand merci à vous. Encore une fois, un grand merci. Vous êtes déplacé et surtout d'être venu avec cette légèreté, juste cette envie de passer un bon moment, c'était trop bien. Des vous nous avez donné beaucoup de force. En plus, ça, ouais, autant d'excuses, je m'attendais pas. Tu vois, j'étais en mode aller Smith, je leur parle un peu et qu'ils nous disent qu'ils vont faire un peu de ça. Il y aura un best-of de ça sur une chaîne. Ouais, t'inquiète pas. Je vais me régaler. T'inquiète pas. Dans, d'ici 2-3 jours, c'est sur la chaîne de Gotha. On a déjà la BO, la musique. J'ai trop hâte. Honnêtement, on a passé un super moment et si tous les lundis soir de saison pouvaient être comme ça, on serait super heureux. C'est gentil. Donc, vous avez permis de lancer ça sur la bonne voie et en même temps, comme on l'a dit, vous êtes nos parrains de cette saison. Ça nous fait plaisir. Gotha Dwagby, merci surtout. Ça fait du bien. Honnêtement, vous repassez quand vous voulez. Et bravo pour le nouveau studio et tout, les gars, c'est beau, hein. C'est du bon taf. Franchement, classe, vous offrez un beau truc. Ouais, bien, ça tue ça. Continuez et faites-nous rêver un maximum, c'est le principal. On est revenu de vacances, on est bouillant. Ça se sent, honnêtement, ça se sent. C'est vrai ouais. La crampe. C'est ça que le YouTube Warrior, finalement, je le sens bien, en vrai. Ah ouais, mais t'inquiète, tu verras, dans deux semaines, ouais. Tu te diras, j'ai pas envie de les affronter. Ok. Et tu comprendras ce que okay, je te dis. Bah, en je garde plus, tellement d'exclus. En plus, le truc, c'est que juste avant de commencer le YouTube Warrior, je prends un petit verre de lait de ma femme. C'est le dernier. Grand merci à McFly Carlito, dernier mot de votre part, mesdames et messieurs. Australopithèque. Pull bizarre. Et à très bientôt. Ciao.